n'y a pas de plus en plus de lynx en France. L'espèce est toujours considérée comme en danger en France. On a aujourd'hui une absence de données précises concernant les effectifs de lynx, mais les estimations les plus récentes font état d'une population d'environ une centaine de lynx sur la cible du Jura, peut-être une vingtaine d'individus isolés sur les Alpes, et puis une population très faible sur le massif des Vosges, qui est estimée entre 5 et 10 individus. On est sur une population qui semble stable depuis plusieurs années et qui a même été en déclin rapide sur le massif des Vosges. Les trois dangers identifiés, c'est d'une part effectivement les collisions routières. Ces dernières années, on estime qu'il y a eu une dizaine de lynx percutés ou tués, en tout cas par les moyens de transport, essentiellement sur les routes, sachant que 10 individus qui meurent sur une population d'une centaine dans le Jura, ça fait 10% de la population, donc c'est très important. Après, il y a d'autres menaces. Il y a une menace que l'on appelle les destructions illégales, que certaines personnes appellent du braconnage. Il y a quand même eu en 2020 trois cadavres retrouvés tués par balle, et on estime que ce sont les destructions illégales qui ont fait disparaître l'espèce pratiquement du massif des Vosges. La troisième menace pour le lynx, c'est la difficulté à passer d'un massif forestier à l'autre. Le lynx est un animal très forestier et qui ne réussit pas à traverser des grandes zones ouvertes ou des zones habitées, des zones très agricoles. Et une grosse problématique, c'est l'absence de couloirs forestiers ou de corridors écologiques qui relient les différents massifs entre eux.